Jacques, tu pourrais m'aider? J'ai trouvé la fille idéale. Idéale. Oui, bah les 12 dernières fois, elles étaient aussi idéales. Tu sais ce qui m'énerve le plus? Les gens en avance. Non, ceux qui sonnent deux fois. Oui, bah toi, ma chérie, tu le fais aussi. Florence, ce t-shirt. Ah, Maurice, ça fait 2 semaines que vous avez mon colis. Vous prenez vraiment pour le point relais du quartier, Maurice. Entre, Maurice. Salut, les gars. Bonjour, Jacques. Tu vas bien? Je ne l'avais pas reçu. Enfin, je croyais que je ne l'avais pas reçu. Alors, ils m'en ont envoyé un deuxième. Tu crois que je dois les prévenir? C'est quand même du vol, ça, non? Je tomberai avec toi, Marie. Salut, petit frère. Ah. Salut, papa. T'aurais pu sonner? Tu m'as fait peur. Yo, Maurice. Yo. Où sont Geoffrey et les enfants? Tiens, des fleurs pour toi, mon papa. Hein? C'est mal, hein? Où sont Geoffrey et les enfants? Qui ça? Bon. Donne-moi ça, je vais m'en occuper moi-même. Il y en a qui disent que la vie, c'est comme un saladier. Tu mets plein de trucs dedans et tu mélanges. Jacques, c'est quoi ça? Oh. Ah, Anna, comme je suis contente de te revoir. Tu sais, tu étais toute petite la dernière fois. Vas-y, entre. Voici Anna, la fille de Alice. Elle était toute petite la dernière fois que je l'ai vue. Anna, voici Jacques, mon mari. Oui, enfin, Maurice, un voisin. Florent, Sandra. Assieds-toi là, Anna. Alice va arriver. Elle n'a jamais su faire de créneau, la pauvre. Alice. Bon. Bonjour tout le monde. Oh. Il y a des parc-mètres partout, ici. Ah, oui. Et puis, tu sais, j'ai failli écraser la voisine aussi. Ah, au numéro 12. La mère Pouja. Elle fait semblant de balayer son trottoir. N'est-ce pas, Maurice? Je ne m'immisce pas dans les affaires des autres. Non, mais chez eux, ça ne vous dérange pas. J'ai fait de la blanquette. J'espère que vous aimez la blanquette. Oh, tout le monde aime la blanquette. J'aime beaucoup la blanquette. Alors, ma chère Anna, on me dit qu'on vous voit souvent dans les galeries de la capitale. Oui, c'est une façon pour moi de faire mon trou. J'adore l'art. Et les négociations aussi. Et elle s'en sort très bien. Elle est très appréciée. Évidemment. Quelle enfant délicieuse. Mon fils Antoine sauve des vies. Moi aussi, maman, je sauve des vies. Oui, mais enfin, Sandra, je parle de vie humaine, pas de tortue. Mon fils Antoine. Mon fils Antoine. Mais il aurait pu sonner, non? L'île n'est pas très loin de Paris. Vous pourrez vous organiser facilement, tous les deux. Oui, au moins dans un premier temps. Nous organiser? Pourquoi? Tiens, je t'ai vu le CV du fils prodige. Alors je te préviens, dans la case loisirs, c'est série télé et grattage de couilles. J'espère que ça te va. Jacques, dis quelque chose à ta fille. Sandra, c'était ma plus réussie, celle-là. Tu vas pas commencer, d'accord? Tu commences pas. Ne fais pas attention, elle a un petit côté jaloux. Anna joue du piano depuis qu'elle est petite. Elle a eu un excellent professeur. Mmh. Tu préférais le professeur à l'instrument, il me semble, maman. Mon fils Antoine aime beaucoup la musique aussi. Ben voilà, la musique. Mais maman, tout le monde aime la musique. Peut-être même que Maurice aime la musique. Ah, Maurice, vous aimez la musique? Bonjour. J'aime bien le hip-hop, sinon. Ah, j'aurais parié sur la country. Non. Marie, ta blanquette était délicieuse.
délicieuse. Antoine, Anna nous a dit qu'elle voulait vivre en province. Ah non. Non, j'ai pas du tout dit ça. Et Lille est une belle ville pour élever des enfants, n'est-ce pas, Jacques? Quels enfants? Maurice, pourquoi le nez? La plupart des gens portent des masques. Moi, je préfère les nez. Antoine, Anna aime beaucoup les œuvres d'art. Dis-lui que tu as fait option beaux-arts au lycée. Tu viens de lui dire, maman. Et c'était Florent, pas moi. Je n'ai jamais vraiment compris les œuvres d'art. Mais je crois que mon jardin est une sorte d'œuvre d'art. Je sème, je repique, j'arrose, je mélange les couleurs des fleurs. J'ai toujours eu le goût pour l'harmonie du jardin sec. Maurice, tu aurais dû être fleuriste. C'est vrai. C'est pas vrai, ils remettent ça. Vous avez vu quelque chose, vous? Je n'ai jamais réussi à trouver leur foutu code. Relevez-vous tout de suite. On a des invités. Je suis désolée, je n'ai jamais pu les en empêcher. Et en plus, ils sont synchro. Geoffrey, les enfants. Je vais y aller, mon. C'est animé ici. Antoine, quelqu'un pour toi? Coucou toi. Je vous présente Nicolas. Je vous présente Nicolas, c'est mon nouveau Geoffrey. Vous avez pu vous garer facilement, vous? Je suis désolé. Hein. Je vais y aller. Attends, arrête. Papa? Maman? Anna? La mère d'Anna? Pardon, madame, je connais pas votre prénom. Maurice? Ouais, il fait toujours ça, il énumère les gens, c'est un peu flippant. Et nous, on ne compte pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'heure du parc, maître. Je vais payer pour l'acte 2. Fais pas de conneries avec ton gosse, Jacques. Fais pas de conneries. Bon, bah, ça va pas durer longtemps, nous deux. Salut! Moi, c'est Anna. Salut, Anna. C'est mon premier jour ici aussi. Ah. Bonjour. C'est Florent. Florent. Nicolas. 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 Et vous êtes ensemble depuis longtemps? Ça va faire 3 ans maintenant. On s'est rencontrés à l'hôpital, en fait, je suis brancardier. Brancardier. Il est brancardier. Bon, je fais de la salade de fruits. J'espère que vous aimez la salade de fruits. Tout le monde aime la salade de fruits. Il est brancardier. Brancardier, Jacques, alors que notre fils est chirurgien. C'est ça le problème, Marie, franchement. J'ai découvert le côté un peu pingre d'Alice. Elle nous a un peu enquiquinés avec son parc-maître. Et je crois qu'il y a un bon feeling entre elle et Maurice. J'ai du nez pour ces choses-là. Quand je pense à Sandra qui nous a fait croire qu'elle divorçait pour couvrir son frère. Je crois que Sandra va vraiment divorcer. Ah, problème réglé.
Tu disais ? Non, non, rien. Quand je pense à toutes ces filles que j'ai laissées espérer inutilement, pauvre Anna. Moi, je préfère l'aimer. Je me suis trompée. Donc, 1 sur 4, deuxième, pick-up. J'ai pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Troisième, pick-up. Ça va pas du tout parce qu'il a mis de la mousse dans un truc de massage. Hein.